Bonjour Romain, bienvenue à votre nouvelle séance de Power Yoga. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les équilibres. Donc, si vous avez un tapis qui est trop épais, je vous invite à faire certaines postures, je vous le dirai, à même le sol. Si par contre vous avez un tapis de yoga, il n'y aura aucun souci. Positionnez-vous s'il vous plaît, pied largeur du bassin, genoux légèrement fléchis, toujours la mèche de cheveux qui vous grandit. Et au bout de votre tapis, fermez vos yeux. Et on prend nos 5 grandes respirations. Inspirez. Expirez. Grande inspiration. Et très longue expiration. On inspire. Et on expire. Encore deux fois. Inspirez. Expirez. Dernière fois, une grande inspiration. Expirez, ouvrez doucement vos yeux. Inspirez, montagne en extension, penchez-vous légèrement à l'arrière pour l'instant, regardez vos pouces. Expirez, flexion avant, détendez votre nuque et vos épaules. Genoux légèrement fléchis. On inspire, montagne en extension, on vient saluer le soleil. On expire, on vient saluer la terre, détendez votre nuque et vos épaules. Inspirez. Expirez. Au fur et à mesure sur la montagne en extension, n'hésitez pas à vous pencher un petit peu plus à l'arrière et à serrer vos fessiers. Inspirez. Expirez. On va mettre trois jambes en mouvement. Encore une fois, inspirez. Expirez. On rajoute un mouvement. Inspirez. Expirez. Posez vos mains au sol. Inspirez. Reculez loin derrière votre jambe droite. Expirez. Posez votre genou. On inspire. On monte les mains en prière. Attention, on change par rapport à l'habitude. Expirez. Faites une torsion sur le côté. On inspire. On va monter les bras. On expire. Entourez le pilote. On inspire sur place. On rejette les orteils. On se souffle. On ramène le pied. Inspirez, montagne en extension. On commence à réchauffer notre corps. Expirez. On inspire le pied gauche cette fois-ci. On le recule loin derrière. On souffle, on pose le genou. Inspirez, main en prière. Soufflez, torsion sur le côté. On fait la posture du lézard. On inspire. On souffle. Posez votre main, vos mains autour de votre pied. On inspire sur place. On projette les orteils. On souffle, on ramène le pied. Allez, on va commencer à accélérer. Inspirez. Soufflez. Pied droit loin derrière. On inspire. On souffle, on pose le genou. Inspirez. Expirez, torsion. Inspirez. Expirez. On inspire, on crochette. On souffle. On revient en flexion avant. Inspirez. Soufflez. Allez, votre rythme cardiaque commence à augmenter. Inspirez le pied gauche, s'il vous plaît. Soufflez, genou. Inspirez. Main en prière. Soufflez, torsion. On inspire, on remonte le bras. On souffle. On inspire, ça permet de projeter les orteils à l'arrière. On souffle, flexion avant. Inspirez, on va rajouter. Soufflez. On inspire, le pied droit loin derrière, on souffle, on pose le genou. Inspirez. Soufflez, torsion. On rajoute. Inspirez, montez vos bras. Soufflez, posez vos mains, pour l'instant ça ressemble. On inspire, on projette les orteils à l'arrière. Attention, on souffle, on décolle le genou et en même temps on amène le pied gauche derrière. Chaîne tête en bas, restez quelques petites respirations. Inspirez et expirez tranquillement. Je vous rappelle, les pieds largeur du bassin et les mains largeur des épaules. Détendez votre nuque, détendez vos épaules. Votre regard est sur vos pieds. On inspire. À l'expiration, c'est vous qui choisissez. Soit vous avancez un pied plus haut, soit vous soufflez. Vous sautez, pardon. Inspirez.
Avec le bruitage en plus. Votre pied gauche, inspirez. Soufflez, posez votre genou. Inspirez. Torsion, soufflez. Inspirez. Soufflez. On inspire, on projette les orteils et on souffle, on décolle le genou et on recule le genou. Chien est en bas, restez. Pour l'instant, on reste. On enchaînera avec votre posture après. Détendez votre nuque et vos épaules. On inspire, on expire, poussez vos fessiers en direction du ciel, votre corps forme un joli V. Inspirez, à l'expiration, avancez un pied ou l'autre, ou sautez. Inspirez. Soufflez, on va rajouter. Inspirez, votre pied droit loin derrière. Soufflez, genou au sol. On inspire. On souffle, torsion. On inspire. On souffle. On inspire, on projette à l'arrière, on souffle. Chien détendu. On inspire. On souffle. On inspire. À l'expiration, votre pied droit vient devant. On est en fente. Inspirez. Posez le talon arrière, soufflez, vous connaissez. Guerrier niveau 2. On inspire, on remonte les bras, le pied avant vient environ à 45 degrés. Soufflez, poussez le poignet corps sur votre jambe droite, décollez vos orteils de votre pied gauche, jambe gauche tendue. Oui, on change un peu quand même, il faut changer. Allez, inspirez, revenez poser votre pied. Soufflez, bravo. On inspire sur place. À l'expiration, le pied avant revient à l'arrière, chien tête en bas. On inspire, on souffle, on fait une petite pause avant de refaire le côté gauche. On inspire à l'expiration, soit vous avancez un pied plus l'autre, soit vous sautez pour venir en flexion avant. Inspirez, on refait tout de côté. Soufflez. La jambe gauche, loin derrière, on inspire. On souffle. Inspirez. Soufflez, torsion. Inspirez. Soufflez. On inspire, ça permet de projeter les orteils à l'arrière. On souffle, chien tête en bas. On reste. On inspire. On expire. On va se tourner le dos pendant quelques petites secondes. On inspire, à l'expiration, on avance le pied gauche. Inspirez, montez vos bras, on se tourne le dos, posez le talon arrière, soufflez. On inspire, on monte les bras, le pied à l'avant vient environ à 45 degrés. On souffle, poids du corps sur la jambe avant, on décolle les orteils de l'autre pied. Ça va chez vous? Allez, courage. Inspirez, revenez en fente. Soufflez. Inspirez, reculez votre pied qui était à l'avant. Revenez en chien tête en bas. On reste. On inspire, on expire. Inspirez à l'expiration. Soit vous avancez un pied plus haut, soit vous sautez. On va accélérer. C'est parti. Inspire. Soufflez. Inspirez, jambe droite derrière. Soufflez, genou au sol. Inspirez. Torsion, on souffle. Ça va chez vous? N'hésitez pas à faire des pauses. Inspirez. Soufflez. On inspire, on projette les orteils à l'arrière. Soufflez, chien tête en bas. On inspire. On expire. On inspire, à l'expiration, le pied droit revient devant. On souffle. Petite pause. Inspirez, montez vos bras. Soufflez, posez le talon arrière, gardez niveau 2. Ça va toujours? Courage. Inspirez, montez vos bras, votre pied à 45 degrés. Soufflez, décollez. Ça va? Inspirez, revenez en fente. Soufflez. Inspirez, le pied à l'avant recule, chien tête en bas. On souffle. On inspire, à l'expiration, soit on avance un pied plus l'autre, soit on saute. On a fini notre série. Inspirez, on va faire la gauche. Soufflez.
Pied gauche loin derrière. Inspirez. Soufflez, genou au sol. Inspirez. Main en prière. Tension. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Posez vos mains. On inspire. On projette les orteils à l'arrière. On souffle. Chien tête en bas. On inspire. On expire. Pied gauche loin devant. Inspirez. Soufflez. Petite pause. N'hésitez pas à prendre le temps. Inspirez, montez vos bras. Guerrier audience, tourne le dos, soufflez. Le talon à l'arrière est posé. Inspirez, montez vos bras. Le pied à l'avant, montez à 45 degrés. Soufflez, décollez les orteils de votre pied droit. Inspirez. Fente. Soufflez. Inspirez, le pied gauche revient derrière. Chien tête en bas. Soufflez. Inspirez, à l'expiration avancez, un pied plus haut. Vous sautez, vous sautez. Inspirez. Soufflez, n'hésitez pas à faire des pauses. Pied droit loin derrière, inspirez. Soufflez, genou au sol. Inspirez, main en prière. Torsion, soufflez. Inspirez. Soufflez. On inspire, on projette le pied à l'arrière. Soufflez, chien tête en bas. On inspire, on souffle. Inspirez, pied droit devant. Soufflez, pause. Inspirez, montez vos bras. Soufflez, le talon à l'arrière se pose, guerrier niveau 2. Inspirez, montez vos bras, pied à 45 degrés à l'avant. Soufflez. Tenez ventre. Inspirez, revenez en fente. Soufflez, posez vos mains. Le pied à l'avant, on inspire, il recule, chien tête en bas. On souffle, on reste. On inspire, expirez, avancez vos pieds. Inspirez. Soufflez. Pied gauche, main derrière, inspirez. Soufflez, genou au sol. Inspire. Soufflez, torsion, courage. Inspirez, remontez vos bras. Soufflez. On inspire, on crochète les orteils du pied à l'arrière. On souffle, chien tête en bas. On inspire, on souffle. On inspire, pied gauche devant. On souffle, pause. Inspirez, on se tourne le dos. Soufflez, gagnez niveau 2, les deux pieds à plat. On inspire, le pied à l'avant, environ à 45 degrés. On souffle, poids du corps sur cette jambe avant. Allez, courage. Inspirez, revenez en fente. Soufflez. On inspire, le pied avant recule, chien tête en bas. Soufflez. Inspirez, à l'expiration, avancez vos pieds, soufflez. Inspirez, montagne en extension. Soufflez, main en prière au niveau du cœur. Ça va chez vous? Restez quelques petites secondes. On inspire. On souffle. Nous allons passer à nos équilibres. N'hésitez pas à descendre donc de votre tapis, comme je vous le disais, ou rester sur votre tapis si vous avez un tapis de yoga. Allez, ancrez bien vos pieds dans le sol, détendez vos épaules. Ralentir notre rythme cardiaque. N'hésitez pas à boire pendant ce temps. Inspirez. Soufflez. Encore deux fois. Inspirez. Soufflez. Dernière fois. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Votre pied gauche va venir sur un niveau de votre cheville. Là, aux cuisses, soufflez. Jambes d'appui, genoux légèrement fléchis. Inspirez, cercle de bras. Soufflez. Encore une fois, inspirez. Laissez un peu mobile, soufflez. Attention, on va changer de posture. Inspirez. Cette jambe gauche va venir devant, genou devant. Soufflez. Entourez votre genou.
On inspire, on monte le genou. On souffle, on descend légèrement le genou. La jambe d'appui est toujours le genou légèrement fléchi. Inspirez. Soufflez. Vous avez certainement votre fessier qui se renforce. Inspirez. Fléchissez un peu plus le genou de la jambe d'appui. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore deux fois. Inspirez. Soufflez. Dernière fois. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Bras le long du corps, la jambe avant par l'arrière. On fléchit un peu plus le genou de la jambe d'appui. Guerrier niveau 3. Allez, regard au sol. On a toujours la jambe d'appui. Genou légèrement fléchi. On essaie de trouver sa stabilité, comme vous pouvez le voir. Une fois qu'on l'a trouvé, on détend nos épaules, c'est tout. On y va, on fléchit le genou, on inspire, on fléchit la jambe d'appui. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire, on fléchit. On souffle. Encore deux fois, courage, inspirez. Soufflez. Dernière fois, inspirez. Soufflez. Inspirez, fléchissez votre genou. Attention, cet équilibre, soufflez. Ouvrez votre cage thoracique. Main droite en direction de la terre, main gauche en direction du ciel. Attention, n'hésitez pas à poser les doigts au sol pour avoir un peu plus d'équilibre. Les orteils au sol aussi si vous le souhaitez. Inspirez, couleur. Soufflez, ramenez votre pied. Bravo, on est en prière. Allez, on inspire, on change de côté. On souffle. Inspirez, pied droit. Cheville, tibia, aux cuisses. Soufflez. Inspirez. C'est peut-être votre jambe d'appui, ça sera peut-être plus simple. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Jambe d'appui, genou légèrement fléchi. On ne peut pas fléchir un peu plus. Allez, votre jambe droite va venir devant. On inspire. On souffle. Entourez votre genou. On inspire, on monte le genou, on souffle, on descend. La jambe d'appui toujours légèrement fléchie. Inspirez, montez le genou. Soufflez, redescendez. Inspirez. Soufflez. Courage. Ancrez bien le truc dans le sol. Encore deux fois. Inspirez. Soufflez. Sentez votre fessier qui se renforce en fléchissant cette jambe. Inspirez. Soufflez, on y va. Inspirez, jambe à l'arrière, bras le long du corps. Soufflez, trouvez votre point d'équilibre. Hein. On essaie de le trouver, on se détend un petit peu. On y va. Inspirez, fléchissez la jambe d'appui. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Ça tangue. Inspirez. Soufflez. Allez, courage, encore deux fois. On inspire. On souffle. Dernière fois. On inspire. On souffle. Fléchissez un peu plus cette jambe d'appui. Inspirez. Ouvrez votre cage thoracique. Allez, courage, c'est la fin. La main gauche en direction du sol. Main droite en direction du ciel. Courage, tenez bon. Inspirez. Soufflez. Jambes d'appui, genoux légèrement fléchis. Inspirez, ramenez votre pied, main en prière, soufflez, décollez tranquillement, un talon puis l'autre, bravo. Ouh, ça va chez vous, on va passer au sol. Ah. Allez, détendez-vous tranquillement. Ah. Posez vos talons au sol, inspirez, montagne en extension. Soufflez, flexion avant, détendez votre nuque, vos épaules. On inspire, on recule un pied puis l'autre, on va venir en planche, vous connaissez. Allez, ça va chez vous? Oui? Allez, on inspire, à l'expiration, la jambe droite, elle va partir sur le côté là-bas à gauche. On va juste chercher sur le côté. On inspire, on ramène la jambe. On souffle, on change de côté. On inspire, on ramène. On souffle. Sentez votre taille qui se renforce à chaque fois que cette jambe part sur le côté. Inspirez. Soufflez.
Inspirez. Soufflez, activez le centre du corps. Envie d'uriner, gaz, ceinture bien serrée. Inspirez. Soufflez, n'hésitez pas à faire des pauses. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. On n'est pas dans une phase cardio, on est vraiment dans une phase renfo. Inspirez. Soufflez. Allez, une dernière fois. On inspire. On souffle. Inspirez. Soufflez. Descendez lentement. Ça, c'est un petit cadeau. La personne se reconnaîtra. Courage. Allez, on descend, on descend. On retient, on retient, on retient, on retient. Bravo. Ouh, le dessus des pieds à plat. Venez positionner vos mains l'une sur l'autre. Posez votre front. N'hésitez pas à vous repositionner sur votre tapis, sinon j'en ai un peu avancé. Ouh, ça va chez vous. N'hésitez pas à faire des pauses, à regarder la vidéo et à vous prendre un petit peu plus tard. Allez, on fait la libellule. Bras à l'arrière du corps. Mains le long de votre corps. Joignez vos deux jambes. On inspire. À l'expiration, on décolle la tête, la poitrine et les deux jambes. On inspire. On souffle. Regardez mes mains, ne touchent pas le sol. Attention, les mains sont vraiment le long de votre corps. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Serrez vos fessiers. Soufflez. Vos jambes sont collées hein, l'une contre l'autre. Inspirez. Soufflez. Tenez bon. Inspirez. Soufflez. Allez, on inspire. On souffle encore deux fois. Tenez bon. Inspirez. Soufflez. Dernière fois, on inspire. Soufflez, bloquez en haut et on envole. On inspire, on expire. Serrez-moi vos fessiers. Jambes toujours serrées l'une contre l'autre. Allez, tenez bon. Bras le long du corps, les mains ne touchent pas le sol, bien sûr. Regarde au sol. Allez, quelques petites respirations encore. Inspirez, relâchez, bravo. Ouh. Allez, on continue. Venez sur le côté dans ma direction, s'il vous plaît. Posez votre coude en dessous de votre épaule. Venez vous installer sur votre fessier, pas sur votre hanche, sinon vous allez avoir mal. Vous allez ramener vos genoux, s'il vous plaît. Vous ramenez l'épaule du dessus à l'avant. Soit vous avez le bras derrière, mais attention, l'épaule ne va pas derrière, l'épaule est vraiment devant. On va travailler notre taille. Vous pouvez, si vous le souhaitez, justement, pour aider cette épaule à rester devant, monter votre bras en direction du ciel. On y va? Allez, on inspire, on tend la jambe du dessus. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Inspirez. Soufflez. Activez le centre du corps. Tenez bon. L'ange des dessus à l'avant. Écrasez-le dans le sol. Encore deux fois. Tenez bon. Deux fois, c'est la jambe dessus, la jambe dessus. Encore une fois. Et relâchez, bravo. Allez, on continue. Avant-bras au sol, bombez le torse, activez toujours le centre du corps, détendez votre nuque, vos épaules. Vous allez inspirer, à l'expiration, ramenez vos genoux sur votre abdomen, bombez bien le torse, inspirez, tendez vos jambes, soufflez, ramenez vos genoux, inspirez, soufflez. On est en train de faire toutes les variantes de la posture d'assise à l'avancée. Imaginez justement cette petite reine. Poussez vos jambes. Allez, tenez bon. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Il faut tracter ses jambes. On inspire. On souffle. Bombez le torse. Écrasez vos coudes dans le sol. Soufflez.
Deux dernières fois, on inspire. On souffle, traitez vos jambes. Dernière fois, on inspire. On souffle. Gardez les jambes tendues. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Montez les jambes dans vos jambes. Inspirez, descendez les jambes. N'hésitez pas à faire des pauses, on attaque des exercices difficiles. Inspirez. Descendez. Soufflez, montez. Il faut repousser la traction terrestre. Inspirez, descendez. Soufflez, activez le centre du bas. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez pour s'arracher justement de la traction terrestre. Inspirez. Soufflez, c'est difficile, c'est très difficile. Inspirez, on est aidé, là, on peut descendre. Soufflez, encore deux fois s'il vous plaît. Inspirez. Soufflez, dernière fois. Inspirez. Soufflez, bravo, posez vos pieds au sol. Bercez doucement vos jambes, on va faire le tour. On va faire la sirène de l'autre côté, on va se tourner le dos pendant un moment. Vous vous rappelez quand on décale la jambe du dessus, puis celle du dessous. Allez, on roule sur le côté. Coude en dessous de l'épaule. Je vous rappelle, l'épaule du dessus est vraiment à l'avant. La hanche du dessus aussi à l'avant. On inspire, on souffle, on ramène les deux genoux. On peut avoir le bras en direction du ciel si on le souhaite. On inspire, jambes du dessus. On souffle, on ramène. On inspire, jambes du dessous. On souffle. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Courage. Inspirez. Soufflez. Allez, on essaie de ramener la jambe du dessus un peu plus à l'avant. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. C'est les deux dernières fois. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Dernière fois. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Venez vous allonger sur le dos, s'il vous plaît. On termine notre série. On a travaillé le bas des abdominaux. On a travaillé la chaîne latérale, la taille, et on va travailler le haut des abdominaux. Pieds proches des fessiers, jambes écartement largeur du bassin. Allez, détendez votre nuque, vos épaules, mains au niveau des tempes. Vous pouvez garder une main derrière votre tête si vous avez trop de tension au niveau de votre nuque. On inspire, on souffle, on décolle. On inspire, on redescend. On souffle. Essayez de garder votre cou ouvert, s'il vous plaît. Soufflez. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, activez le centre du corps, environnez le gaz, la ceinture bien serrée, soufflez. On souffle quand on monte, on inspire quand on descend. Ça va chez vous? Vous n'hésitez pas à faire des pauses. Allez, encore deux fois et on ne change pas cet exercice, oui. Soufflez. Inspirez, dernière fois. Soufflez. Inspirez. Attention, on va bloquer en haut. On souffle. À l'inspiration, on va tendre les bras. On souffle, on ramène les mains aux tempes. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On redescend, on inspire. On souffle. On inspire, gardez un espace entre le menton et la poitrine. On souffle. On inspire. On souffle. Courage sur ce dernier exercice. On inspire. On souffle. On inspire encore deux fois. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire. Dernière fois. On souffle. On inspire. On souffle. Bravo, inspirez. Ça va chez vous, bravo. Amenez un genou plus haut. Posture des jambes, percez-vous doucement de droite à gauche. Allez, détendez votre nuque, détendez vos épaules, bravo. Stabilisez votre corps, gardez votre genou droit entre vos mains. Allongez votre genou gauche.
demi-posture devant, en mettant votre fessier et en décharge notre main sciatique. Allez, ralentissez votre respiration, vous avez bien travaillé, bravo. Inspirez, posez votre pied au sol, soufflez, ramenez votre genou. Allez, reprenez le temps de respirer. Inspirez, posez votre pied au sol, soufflez, allongez votre jambe. Et bien, en général, cette fois-ci, vos deux pieds seront flex, orteils en direction. Deux petits dents. Inspirez, montez vos bras, soufflez, grandissez. Pieds flex, talons attirés par la mur, doigts attirés par le mur. Reposez. Vous connaissez la main droite un petit peu plus haute, la main gauche un petit peu plus haute, puis la main droite. Puis la main gauche et relâchez. Roulez doucement sur un côté. Repoussez le sol. Tranquillement, il va se mettre face à moi. Joignez vos mains en prière au niveau de votre cœur. Levez votre front. Namasté. Vraiment, félicitations. Vous avez très très bien travaillé. La séquence était vraiment très difficile aujourd'hui. Prenez soin de vous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.